L'histoire de Orisa. Identité, Orisa. Âge, 1 mois. Profession, robot protecteur. Base d'opération, Numbani. Affiliation, aucune. Votre sécurité est ma principale préoccupation. Assemblée à partir de pièces récupérées sur d'anciens robots défensifs OR-15, dont la seule durée de vie n'a guère été longue, Orisa est la nouvelle protectrice de la ville. Toutefois, il lui reste encore beaucoup à apprendre. Mise en service avant la crise des Omniums, les robots de sécurité OR-14, surnommés Indiana, étaient autrefois construits dans l'immense Omnium du Niagara. Après cette guerre, ces robots, comme bien d'autres modèles utilisés pendant la crise, ont vu leur production interrompue. 20 ans plus tard, Numbani relançait le programme OR-14 pour protéger la ville des menaces extérieures. Ces nouveaux modèles OR-15 ont connu une brève période d'activité avant d'être détruits lors d'une attaque menée par Doomfish. Le programme ayant été abandonné après l'attaque, le gouvernement civil a vendu les dernières pièces des robots OR-15. Certaines d'entre elles ont été achetées par Effie Oladel, une brillante fillette de 11 ans dont les exploits en matière de robotique et d'intelligence artificielle lui ont déjà valu de recevoir la bourse des génies décernée par la fondation Hadway. Encouragée par des parents à l'esprit ouvert, Effie a utilisé sa bourse pour faire l'acquisition de l'un de ses robots OR-15 retirés de la circulation. Pour Effie, Numbani avait besoin d'un protecteur, et le modèle OR-15 amélioré lui semblait parfait pour ce rôle. Elle a donc préparé et reconfiguré le robot avant de le doter d'une personnalité conçue par ses soins. Effie a baptisé la nouvelle héroïne de Numbani, Orisa. Orisa a prouvé qu'elle pouvait rendre service à la ville, mais il lui reste encore à trouver son protocole optimal. Le manque d'expérience de l'Omniac peut parfois lui manquer préjudice. Mais la bonne volonté d'Effie à lui apporter des ajustements nécessaires et l'intelligence artificielle évolutive d'Orisa ont toujours permis au robot et à sa créatrice de corriger leurs erreurs. Orisa commence tout juste sa carrière de protectrice et il lui reste beaucoup à apprendre sur le monde et sur son rôle. Mais guidée par l'optimiste indéfectible d'Effie et par son propre sens grandissant de l'honneur et du devoir, Orisa est prête à défendre Numbani et sa créatrice à tout prix.